Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le champion du monde poids lourd de YouTube, le seigneur de l'humour, Monsieur Amixem. Tout seul hein, sur le plateau, il n'y a pas de public parce qu'on n'a pas la place et pas les moyens. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce show légendaire. J'espère que vous l'aimerez. Manifestez-vous dans les commentaires à travers les pouces bleus pour soutenir cette nouvelle initiative extrêmement originale, à savoir le pour combien show. Je viens de rajouter show. D'un point de vue marketing, on n'avait pas à la base appelé comme ça. Messieurs, dames, vous le savez, je suis, en plus d'être youtubeur, un chef d'entreprise qui se doit de récompenser ses salariés. Et sur quoi dois-je me baser pour récompenser mes salariés? Eh bien, sur leur capacité à créer du contenu pour votre plus grand plaisir. C'est la raison pour laquelle ils vont s'affronter pour remporter des primes. Mais attention, qui dit prime dit contenu en face. Je vais donc leur proposer une série de défis. Ils vont se battre et faire un système d'enchères pour celui qui va m'offrir la prime la moins chère finalement pour ma société. Celui qui la remporte devra faire le défi. C'est très simple, je pense que vous avez compris les règles. Je vais dévoiler les candidats, vous allez voir, c'est un casting extrêmement original puisque c'est le même depuis 2 ans sur la chaîne. Mais juste avant, laissez-moi vous parler de notre partenaire du jour. Revolut. Qu'est-ce que Revolut? Dans Revolut, on entend très bien les premières lettres du mot révolution. Est-ce que c'est une révolution? La réponse est oui. Une révolution bancaire. C'est une application bancaire internationale avec laquelle vous pouvez contrôler votre argent de la meilleure des façons. Là où les banques traditionnelles vous prennent des frais, là, il n'y en a plus. C'est incroyable. Je vous résume toutes les informations dans cette petite voix off. Merci beaucoup. Revolut, une application bancaire internationale utilisée par plus de 18 millions de personnes. Tu aimes la phrase passeport, s'il vous plaît. Revolut est donc ton nouveau meilleur ami. Tu peux dépenser à l'étranger partout dans le monde avec un super taux de change. Tu peux effectuer des retraits gratuits au guichet automatique. Tu peux envoyer et recevoir des paiements gratuits et instantanés vers d'autres comptes Revolut en Europe, Royaume-Uni, États-Unis, Singapour, Japon, Australie. Je m'arrête. Il y a même un système de cashback intégré qui te permet d'obtenir jusqu'à 40% de réduction sur des marques comme Adidas, Nike, Samsung. Et enfin, tu peux par exemple contrôler tous tes abonnements en un seul et même endroit. Ai-je mentionné ces sublimes cartes personnalisées qui sont compatibles Apple et Google Play? Tu peux en créer des cartes à usage unique. Alors télécharge l'application Revolut gratuitement en utilisant mon lien pour obtenir un bonus de... Assis-toi bien, 20 balles. Merci à tous ceux qui le feront. Gros soutien pour la chaîne comme d'habitude. En vous souhaitant une agréable et excellente vidéo. Merci Revolut, vous allez me permettre d'offrir des primes à mes salariés sans débourser 1 euro. J'accueille tout de suite mon premier candidat, salarié depuis 2 ans sur la chaîne, Étienne. Pareil, c'est rajouté un peu de prod. Bonjour, installez-vous, vous avez le violet. C'est magnifique. T'as vu? Il y a ma mère qui est là-bas. Mais non. Coucou Christelle. Ta mère est un rideau. Allez. Candidat suivant. Il est là depuis 2 ans sur la chaîne, contrairement au premier qui était là depuis 2 ans. Yvan. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh là là. Ça fait bizarre de vous voir en vrai aussi. Il est plus petit qu'à la télé. Azam le dit souvent. Troisième candidat, il est là depuis 2 ans sur la chaîne. Pour sa part, il s'agit de Thomas, Thomas 2h. Qu'est-ce que quoi? Ah, parce que t'as encore besoin d'un moyen mémotechnique. Après 2 ans de collab. Ok. Messieurs, vous allez donc vous affronter pour des primes qui seront versées en brut, parce que ça va, non? Oui, Thomas. Y aura-t-il des choses dégradantes? Oh bon, y a que ça, je pense, hein. Je dirais un bon tiers. C'est l'adaptation du jeu espagnol, pas la cambienne. Je l'ai vu. Exactement. Un extrait. Quanta costa esta noche? Dote. El gato negro? Quattro. C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblasse. C'est ce qui me semblasse. Je vous verserai vos primes, bien évidemment, grâce à l'application révolutionnaire intitulée Revolut. C'est bon pour tout le monde? Ça part maintenant, là, c'est là. Attention, c'est là. Pour combien accepteriez-vous de me faire un petit café maintenant? Oh, 50 euros. J'ai la flemme. Déjà, salaud. Ensuite, tout est prêt là. Bon, je le fais pour 5 euros. Moi, je reste sur 50, mais je vais le faire hyper bien. C'est pas ça le jeu. La provenance du café. En Colombia, Arabico. Non, j'aime pas. Yvan, peut-être? Non, 2 balles. Vas-y, 2 balles. C'est quoi, ouais. 25. Ça me fera rire encore au moins pour la prochaine heure. Non, 2 balles, je te le laisse. Trop la flemme. Pour 2 balles, je suis bien là. Tu remportes la prime? Bah oui. Bravo, félicitations. Ouais, merci, bah, merci, merci. Le café, c'est par là, on t'attend. Hop là. Senseo, parce qu'on n'est pas des bêtes, hein. Les ulcères d'estomac. Tu sais, moi, je suis vraiment dans l'émotion quand on tourne les vidéos. Et là, je viens de balancer une bombe d'un point de vue contenu. Attendez, le troisième side où je demande de me faire un thé, hein.
Expresso. Merci. Avec sa petite milliardise. Ça ne te sauvera pas. J'envoie 2 euros, aucun frais, évidemment. Ah bah non, c'est ça, ça Revolut. Connaissez-vous et avez-vous confiance en Yvan? Oui. Bon, d'accord. Vous avez envoyé 2 euros à Yvan. Je l'ai. En plus de ça, c'est rapide. La suite. La suite. Pour combien accepteriez-vous de déguster un œuf de 100 ans? J'ai toujours rêvé d'en goûter. Hein. Putain, mais je m'attendais à ça. Je m'attendais au défi Koh Lanta, quoi. Ouais. Ah, attention. Ok. Ah, il arrive sous vide en plus. Ouais. Oh. Ah, moi, je veux quand vous voulez. Juste, on peut rappeler, parce que je sais même pas, c'est quoi? C'est trempé dans du vinaigre ou un truc comme ça? Alors, c'est très simple. À partir de maintenant, il y a une voix off d'Yvan qui nous explique ce que c'est. Populaire en Chine, l'œuf de 100 ans est macéré dans un mélange de boue, de riz et de cendres pendant plusieurs mois. Le jaune d'œuf devient alors vert foncé, alors que le blanc devient brun foncé et translucide. Immonde et dégueulasse sont des adjectifs qui correspondent parfaitement à l'œuf de 100 ans. Ça fait pas 100 ans, hein. Ouais, non, bien sûr. 10 balles! Oh. Moi, vraiment, je suis désolé, mais je vais dire 9 euros. 8 euros? Bah, je vais dire 1 euro. J'ai toujours rêvé de goûter, en fait. T'as envie, quoi. Ouais. Moi, j'ai peur de plus rien faire après, donc je donne tout sur le début. Ok. Ah, moi, je donne. Non. Vas-y, bah, 1 euro, écoute, si je te dis. Me permets? Je peux juste sentir. Ouais, d'abord, on a tous envie de sentir. Tu sens que ça renferme. Ça sent la bouffe pour poisson. Oui, c'est complètement de la nourriture animalière. C'est pas pour les humains, ça. Ouais, donc c'est noir à l'intérieur. Comme beaucoup de choses qui pourrissent pendant 100 ans, d'ailleurs. Oh, ça. Alors attention, ça c'est le blanc et du coup il est noir. Le jaune, il clignote. Bah, pas de chance, vous le verrez pas. Ah non, s'il le recrache, c'est perdu. Hein. Soit il joue, soit il survit. Il y a un peu de regret. J'en prendrai pas au dessert. Je vais sentir un peu la laine. Pour un bal, frère, mais je trouve ça incroyable. Tu décris un petit peu le goût? Vraiment, franchement, c'est un goût d'œuf en fait. Mais non, hyper décevant en fait. Parce que moi, j'aime pas le blanc d'œuf, j'ai du mal à digérer. Là, le noir d'œuf, j'aime bien. Bah bravo. Oh, je fais des rots de 100 ans là. Oh. Messieurs, l'heure est grave? Pas déjà quand même. Bah disons qu'on en a fait deux et que le niveau va rapidement monter. Ah d'accord. Pour combien accepteriez-vous 25 d'effectuer une petite séance d'acupuncture avec madame? Bonjour. Putain, mais je suis désolé, j'ai toujours voulu essayer. Oh non, mais c'est dingue. Sur quelle partie du corps? Tout dépend de ce que vous attendez. Elle va identifier vos besoins. Et si c'est la kikoun, c'est la kikoun? Non mais madame fait un métier pour lequel il faut payer pour y accéder. Ouais. Ça fait du bien pour le corps. Ouais. Je le fais gratos. Gratos? Mais je suis désolé. Mais je suis chiant ou pas? Je suis en train de niquer le concept. Non. Moi ça m'arrange. Bon bah vas-y. Ah oui, quand même. Comme chez le dentiste. Ça rend tout la peau. Vous prenez la carte vitale? Bien sûr. Est-ce que tu as des points particuliers, des douleurs quelque part dans le corps? J'ai très mal au dos en ce moment. On va essayer de rééquilibrer tout ça. On commence par les pieds? Allez, ça y est les gars, en fait je stresse de ouf. Thomas, tu respires? Ouais. Je pique. T'as senti quelque chose? Oui. On finit par la tête? Ah, avec plaisir. Ah wow. Quand même. Waouh. Voilà, respire. Lol. Mais madame, c'est là, c'est légal ça. Ah, tout à fait. Pardon, mais tu captes ou pas? T'as une antenne? Eh, franchement, si ça me va bien l'antenne, je la garde toute la vidéo. Au moins, ça garnit quoi. Alors en général, le patient reste combien de temps comme ça? Une vingtaine de minutes. Ah ouais. J'adore les principes de médecine douce, la naturopathie, l'ostéopathie, Jean-Michel Apathie. Il arrive à la caler allongée avec des aiguilles encore. Elle est vraiment arrivée comme ça? Arrête de parler, ça me rend mal à l'aise, ton antenne est fait comme ça. Moi, je suis un télétomiste pour moi. Bravo! Bravo! Quel plateau, quelle ambiance, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Pour Combien? C'est un défi différé, un défi à faire un peu plus tard. Oh putain! Ça sent pas bon ça, ouais. Pour combien accepteriez-vous d'appliquer? Oh ça pue! Un produit anti-moisissure chez moi sur ma terrasse? J'en étais sûr! Parce qu'en fait, elle est exposée plein nord, elle a tendance à verdir et j'ai pas le temps de le faire. Pas le temps du tout. Il y a tout écrit. Il y a 35 mètres carrés. Ça s'applique comment? Honnêtement, aucune idée. Ça comprend vraiment toute la merde de rechercher le produit, de l'appliquer. Je démarre à 50 euros. Quoi? Mais il y a la recherche et le truc du produit et plus l'application. Mais viens, oui, bah je démarre à 500 euros, c'est ce que j'ai dit. Juste sur ce défi, est-ce que juste ça peut être Étienne? J'ai envie que ce soit bien fait. Mais il fait chier, il a mis 50 balles. Non, mais ça va. Moi, je te fais un devis à au moins 150 balles. Et moi, je recommence à 150 aussi, mais. Pas donné, Yvan Étienne Paysage.
réagissent là. Bah 49. Mais non. Bah ah si. Ouais. C'est un truc que je peux faire, faut que je commence à apporter des sous dans la cagnotte Revolut parce que bon, évidemment. Abandonne. Moi je dois partir d'une certaine logique, c'est que je suis deux fois par mois à Angers. Du coup faire un aller-retour pour En fait, c'est ça qui me faisait le plus plaisir, que tu sois obligé de revenir expliquer à ta famille, à tes proches que tu dois partir pour faire ma terrasse, c'est génial. Non, je vais décider de m'aligner à 49,50€, ce qui reste au-dessus d'Étienne. Étienne, c'est bon pour ma terrasse? Oui, mais c'est pas valable comme truc, je vais bosser, putain, mais oui, bah ouais, super. Absolument, et on retiendra cette phrase pour tout le reste de la vidéo, c'est pas valable. Très bonne idée, ce défi, en tout cas. Bah, ça m'est venu assez naturellement. J'étais chez moi. Une pression café, c'est chiant, ça. Pour combien? Oh, il est trop fort. Je m'en souviens, vous l'aviez fait à l'émission 301, la 320 et la 324. Vous êtes fan. J'adore. Pour combien? Simple, efficace, on le veut, on a envie de voir dans cette vidéo. Les gens ont cliqué, ils ont dit s'il y a pas ça, je quitte. Pour combien vous saisissez à pleine main ce monsieur? Bonsoir, monsieur. Non, bonjour. Pour combien accepteriez-vous de saisir cette migale? Oh non. Qui est certainement quelque part, alors soit dans votre poche. Ah bah oui, une poche, là, attendez. Ah, il me semblait. Ah, elle est morte. Elle était vraiment dans votre poche, c'est rigolo ça quand même. Elle est magnifique. 5 euros. Alors là frère, mais oh fonce champion. Allez, 4,50 pour la mienne. Mais quoi, mais Thomas? Mais je rêve de faire ça, vraiment. Mais moi aussi. Et Yvan? Non, j'ai pas trop envie de... Bah on le fait à deux avec Étienne, on se partage. Ouais. Vous voulez tenter? Bah tous les deux, on voudrait. Vous la faites pas tomber et vous soufflez pas dessus, parce que c'est un peu s'énerver, parce qu'elle croit que c'est un oiseau. Et mettez votre main devant. Juste ici, pour qu'elle monte. C'est magnifique. Mettez celle-là devant. Je kiffe trop. C'est magnifique. Mettez la vôtre devant. Montez plus haut encore, on va rigoler. C'est trop bien. C'est génial. C'est magnifique, les animaux. Bougez pas sur le visage. Alors là. Attends, mais c'était pas au contrat, ça. C'était dans la main. Non, c'est vous dans avez la fait main. Les malins. C'est... Moi, je me fais chier à faire venir une migale. Incroyable. Vous rigolez, vous, hein? On sent légèrement le système d'accroche. Deux petits crochets. Et si elle voulait vous mordre, elle pourrait vous mordre et elle peut tuer un oiseau avec le venin qu'elle a. C'est magnifique. Alors, je peux vous en montrer une autre qui est plus grosse et plus jolie. Là, j'y vais pas. Regardez, elle est habituée, elle dit rien. Elle est un petit peu sur la main, mais pas longtemps. Pour lutter contre la peur, il n'y a qu'un médicament, c'est la connaissance. Et pour connaître, il faut montrer et il faut toucher. Hein, Yvan? Voilà. Ouais, ça y est. Moi, j'adore ça, en fait. Ça va, Indiana Jones? Vous avez une association, du coup? Oui, on a 400 reptiles. Okay. On a deux alligators, ça fait 22 ans qu'on vit ensemble. Ah, vous avez un alligator chez vous? Deux, dans le salon, depuis 22 ans. Wow. Pour combien vous allez vivre dans son salon? Au revoir et bravo. Merci beaucoup. Merci. Moi, je passe un super moment, donc c'est le principal. Mais tout ça avait quand même pour but de vous tendre un maximum. C'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander pour combien vous voudriez bien boire cette boisson mystère. Attends, je vais voir la couleur, je vais voir tout. On peut en voir fait. La couleur avant. Ah, est-ce qu'on peut sentir? Non. Ah putain, on peut même pas voir la couleur. On peut rien voir, d'accord, ok. Le seul truc que je peux dire, c'est que c'est pas épicé. Ok, déjà. Putain, j'ai envie de dire 50 balles, moi. 50 euros? 50 euros. 49. 49 euros. Prenez le temps du débat, j'aime tout ce qui se passe. Moi, je vais vraiment laisser mon intestin tranquille, donc je me retire. Je comprends. 45. 45? Ouais. 40 euros. 40 euros. C'est parfaitement buvable. On vous met pas en danger. Alors, il digère pas le cyanure, Yvan? La honte. Ça bave. 35. Oh, le bâtard. Ah ouais, putain, ça... Ça commence à descendre. 29 euros. Je suis désolé, je vous comprends pas. Un œuf, on sait que c'est complètement comestible. Putain, c'est pas ce que c'est, quoi. C'est peut-être de l'urine de chameau, hein, Golerie, t'as bu de l'urine. Mais il y a un monsieur qui t'explique, la connaissance, c'est le savoir. 25 balles. Bravo, je suis fier de vous. Il est pas ça. Je te laisse. Putain. 25 balles. En fait, j'ai envie de croire, et c'est pour ça que je l'ai pas dit avant, mais j'ai envie de croire que c'est de la grenadine ou un truc comme ça, tu vois. T'as tellement raison. Ah je putain, pense. Il a raison, ce con. Je pense que t'as raison. De c'est ouf. Certain, bien joué. Il va choper 25 pour boire un coca. Oh bâtard. Yvan, je vais de toute façon te verser 25 euros. Oh. Est-ce que tu aimes l'eau du robinet? Ah bah avec plaisir. C'est sûr. Bien joué. Bien joué. Bravo. Et quand il se passe quelque chose comme ça sur ce plateau, en général, c'est ponctué d'un petit... La 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 la. Ok. J'ai le seum. Bah oui. Avec plaisir. Bravo Yvan. Messieurs, dames, il faut que je présente à l'audience David. Ah, introduction David. Il va rentrer juste après tout à l'heure, mais David, c'est un être humain, un très bel homme, qui en fait nous soulage de tâches qui sont absolument essentielles, comme par exemple la fabrication de ce magnifique décor. Toutes les tâches où il faut assembler du dur, du concret, pour que les vidéos soient magnifiques. Vous vous rendez compte, vu la taille et la bonne tenue de ce décor, que le David, il peut pas faire 1m50. Faut que ce soit un gaillard. C'est la raison pour laquelle on a attribué à David, cette fois, une tâche douce, à savoir le massage. Pour combien accepteriez-vous de vous faire masser tout de suite par David, qui est là avec sa table de massage? J'adore ce mec. Je sais pas, dès qu'il rentre dans la pièce, moi je suis heureux. Mais jamais de la vie je vais me faire masser par... David, c'est quelqu'un de très doux, très agréable.
T'as tout ce qu'à dire? Ah non, 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 non. Il a donné 10 euros à David. Yvan, c'est un autre concept. J'avais donné 15, tu casses les couilles. Alors, allez-y, débrouillez-vous. Ah non. On est sur des enchères, moi je suis même plus dans l'équation, c'est pas mal, grave. Allez, c'est bon, je te laisse. Mais juste un truc, cette transaction, elle est pas du tout passée par Revolut, là, non? David, t'as déjà massé dans ta vie ou pas? Non, d'habitude, l'huile que j'ai sur les mains, c'est plutôt du WD-40. Tu peux y aller, David. C'est la bonne viande. David, on t'a laissé le choix de faire cette séquence ou quoi? Ça a été imposé. À ton avis. D'accord. Et je t'avais pas envoyé le mail, David, ou il fallait que tu cognes? Après, on peut aussi faire avec les... Ah! Vraiment, les pouces, tu peux y aller? Voilà. À bah, l'ancienne, ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mauvais choix de carrière de la part de David. T'as l'air vraiment très, très, très bon, en fait. David, c'est pas un massage acupuncture. Bonjour. Bah, merci. Avec bah, oui, bah, là, là, là. Été, summer body, pour combien ils se font épiler la jambe à la cire tout de suite? La jambe gauche. Attends, hein. La, quoi? Toute la jambe? La gauche. Là où il y a le plus de poils. C'est juste une bande? Ah, les deux bandes. Oh bah non, cinq. Non, non, non. On va se faire trois bandes. Trois bandes? Faut fait chier. Non, non. En vrai, on n'est pas tous égaux. Hein. En vrai, ça me fait chier. J'ai envie de dire 100 balles. 100 balles? 95. Allez, 90, mais je descendrai pas en dessous. Ouais, mais j'avoue, en dessous de 100 balles, fait chier quoi. Parce que toi, t'es poilu, hein. Non, moi, c'est affreux. Ils checkent leurs jambes. 85. Allez, 80, mais je descendrai pas en dessous. Yes. Oh! Pièce de ouf. Non, non, mais le laissez pas. Yes. Non, non, vraiment pas, c'est une blague de le running gag de dire je descendrai pas en dessous, alors je suis descendu en dessous, mais c'est tout. Attends, t'imagines, Etienne, tu peux te faire 75 euros le prix d'un jeu de Xbox 360 comme les jeunes y prennent au Fnac.com. Par pitié, Leslie. Putain. Yvan, sois charitable quand même. Regarde ça, genre. En vrai, trois bandes, ça me fait chier. Laissez-le, je vous en supplie. Allez, les gars, et 75 euros quand même. Tu verras, elles ont été préparées. Non, mais tu verrais rien, moi. Tu me donnes 100 balles, je le fais. Bah non, c'est n'importe quoi. Il y aurait un public, ça crierait Thomas, Thomas. De toute façon, je suis obligé, j'ai pas le choix. Putain, fait chier, ça va me faire mal. La 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 la. Une chacun, du coup. Non, mais c'est pas ça le concept. Comment faut faire? Bah, je crois que c'est faut chauffer, c'est ça. Voilà, ça c'est beau, ça. Non, vas-y, je veux pas le faire. Je vous jure, je veux pas le faire. Je vois dans ses yeux qu'il dit que j'ai obligé de le faire. T'as fait chier. Allez, on réfléchit pas, hein. On les met tous, attends, attends, pas. On les met tous complètement. On peut tomber dans les pommes ou pas? Non. Allez, on compte jusqu'à 3. Ça a pas marché du tout. 80 euros. J'ai rien senti. Ah, on est pas. Vraiment. Moi, j'ai un peu de poil quand même, hein. Ça a pas pris. On s'est complètement chier. Putain, on s'est chier. Bah, on recommence. Attends, Thibaut, non. Et je veux le virement sur mon Revolut. Oui, bon, d'accord. Là, j'ai mérité, hein. Allez, envoyez sans frais. Pour combien envoyez-vous? Oh non, pas envoyez-vous, non. Pour combien appelez-vous avec votre téléphone? Ouais. Justine, pour lui demander une augmentation de 1000 euros par mois, parce que franchement, vous pensez le mériter. Alors, qui est Justine pour les gens qui nous regardent? Il s'agit de notre responsable ressources humaines, on peut dire ça comme ça. Vous l'appelez, vous lui dites Juju, je suis soupé. Pour le coup, moi, ce genre de truc-là, ça me. Enfin, c'est comme les caméras cachées tribulus, ça me cringe un max, pas possible. Moi, je le fais pour 1000 euros par mois. Je suis dans le même cas qu'Yvan, enfin, genre, c'est un truc sur lequel je suis hyper mal à l'aise, mais je pense que je vais quand même dire 200 balles. Ah ouais, non. En plus de ça, on la connaît tous, c'est qu'elle est trop gentille, enfin, genre. Elle est très très près de ses sous. C'est les miens. Elle est très très près de mes sous. Juste pour continuer l'enchère, je vais dire 190. 189 Non, mais j'ai pas envie de me battre là. Je t'ai fait perdre 11 euros, j'en suis pas fier. Enchère acceptée. C'est vrai? Je vous laisse appeler Justine. Si elle ne répond pas, j'accepte le message et ce sera un coup de chance. Tu penses valoir plus que les autres et 1000 euros, ça te semble justifié. Par mois. Réponds pas. Messagerie Orange, bonjour. Je lui fais un très beau vocal. Ouais, Justine, c'est Étienne. Je te fais un vocal parce que, tu sais, on a parlé l'autre jour un petit peu de, tu sais, du contrat, tout ça, machin. Je pensais, en fait, à peut-être une augmentation rapport, en fait, au dernier mois, tout ce qu'on parlait, bref. Faut que j'en parle avec Maxime, mais peut-être 1000 euros par mois, c'était pas déconnant. Donc, voilà, si tu pouvais... Enfin, j'en parle à Maxime dans la foulée et puis, de toute façon, je pense que tu devras lui en parler aussi. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. C'est bien, j'aime bien. C'est crédible, je trouve. C'est un peu le gars qui il maîtrise pas l'entreprise, tu sais. Oui. C'est pas trop... La phrase 1000 euros par mois, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, ouais. Bien joué, mais oui, c'est un la la la.
Je désamorce pas là, alors du coup, je laisse qu'elle dise. Tu imagines, elle te répond si, c'est déconnant. 189 euros, gros. Ouais, ça valait le coup. Franchement, bien joué. Messieurs, j'invoque Thibaut avec la question suivante, simple, efficace. Déjà, est-ce qu'ils ont faim? Pour combien ils accepteraient de manger entièrement ce fromage? Entièrement. Waouh. Là, on parle. Là, c'est la garantie d'une mauvaise nuit. Ce qui est dur, c'est sans pain, c'est sans rien, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de pain. Je le fais pour 50 balles. Ah bon? Bon appétit, Étienne. C'est vrai. Mais tu m'étais beaucoup trop bas. Ça me fume. Parce que t'es au régime. J'aurais dû mettre plus haut, bordel. Oh non, mais merde, quel regret. Oh non, c'est énorme. Mais c'est énorme, Étienne. Allez, bon app. Excusez-moi, j'ai une réponse de Justine. Est-ce qu'on peut la lire? Absolument. J'ai vu juste le début de la notification et je pense qu'elle a plongé dans le truc. Ça va être gênant de ouf. On est là aussi pour des petits frissons. Ouais. Tu veux une augmentation de 1000 net par mois? Je pense que tu dois voir ça avec le Big Boss. Je sais pas quand Thomas est dispo, mais on peut faire le point assurance et avenant contrat ensemble quand vous pouvez. Eh, elle a pas dit non. Par contre, je suis assistant RH, moi. C'est moi qui décide apparemment, Étienne. Bah écoute, peut-être je suis d'accord. Pourquoi t'es rentré dans la con? Mais parce que ça fait 2 ans que je me fais une augmente par mois, moi. Ça passe pas. Suffit d'envoyer un vocal à Justine. Mais faites-le aussi chez vous. Si vous voulez être augmenté, envoyez un vocal à Justine. Quelle que soit l'entreprise. Du moment que je suis dispo pour la réunion, vous l'avez. Est-ce que vous m'accordez du pain? Non, mais non, ça va. Il veut un petit verre de vin aussi, le con. T'es en train de te faire des couilles en or. C'est vrai. Mais il a fait une remontada financière. Oh la vache, le morceau! Ah oh ouais, c'est que du blanc quoi. Un petit coup de yucca. Oula, ça brûle, ça brûle. Bon appétit! Allez, c'est la dernière! Hop là! C'est validé! Bravo Étienne! Bravo! Messieurs, j'ai une question simple. Est-ce qu'ils ont faim? Ah! Thibaut! <Non. rire> Pour combien accepteriez-vous de manger? Ah, du piment. J'adore ça. 3 types de piment. Un, franchement, mais qui est éclaté sur l'échelle de Scoville. C'est genre vraiment, vous vous en remettez rapidement. Un middle et un... Vénère. Voilà. Il y a besoin d'en prendre qu'un seul. Ah putain, mais du coup, cette roulette russe me donne envie de jouer. Exactement. C'est une roulette chilienne. 100 balles. Pour 100 euros, tu choisis un piment wider. T'as une chance sur 3 d'avoir mal. Ouais, mais très mal. Moi, je vous le laisse. Fais chier. Alors, la goulue. Ouais, 95 pour... Faut y aller. 90. Quoi. Allez, 85, mais j'irai pas beaucoup plus loin. 84. Est-ce que t'as envie de le faire, Yvan? Bah, tout dépend sur quoi je tombe, en fait. 83. 82. 81. 80. Bon appétit, Yvan. Allez, je réfléchis pas. Bienvenue au paradis. Alors, en fait, j'ai pas beaucoup de connaissances, mais je veux pas croire que le grand ver, il soit ultra fort. J'aurais tendance à dire ça, mais mec, je crois qu'il y a dans la nature, il y a pas toujours que des règles. Faut le manger en entier. Non, un croque. Approche-toi de ta bouche sans le manger, je vais t'annoncer, Yvan. Non, attends, laisse-te prendre son croc. Il le prend sans croc et tu dis, voilà. C'est le pas fort. C'est un poivron. Ah, d'accord. Ça pique pas de... Ça, on va pas le finir. Si tu le doubles, je prends un croque là. De quoi? Si je double l'enchère? Ouais. Moi j'ai vu toutes les émissions, hein. On a jamais vu ça. On s'est jamais fait jusqu'à présent. Ok, alors, bah allons-y. Pour combien celui-là? C'est en entier. Ah, celui-là en entier? 100 balles. 90. Ah ouais, fais chier. Vas-y, 80. Allez, c'est pour je te le laisse. Putain, fais chier. Bah bon appétit, t'as remarqué que j'ai pas parié moi. Bon appétit. Merde. Je suis stupide, ouais, moi. Non, tout, hein. Oh. Ah ouais, tu l'as gobé, frère. Y'a pas le choix. Ah, faut y aller là maintenant. Faut plus rien sur la longue. Hein. Mais il faut vite que tu le manges et après tu passes au lait. Y'a plus de blague là. Putain, j'aurais pas dû. Non. Ça pique un peu fort. Ah, 100 balles, je suis con. Il tremble de la barbe. Ce serait génial que ça cut et que la suite de la vidéo il est plus là. Y'a plus que 2 pupitres. J'ai jamais mangé un truc aussi pimenté que ça. Ok, d'accord. Ça me brûle la gueule. J'ai toute la bouche en dolorie. Oh putain. Et un peu de douleur quand même. Allez, suivant. Ferme les yeux. Ouvrez les yeux. Ah, ok. Oh putain, c'est intéressant ça. Ma fille adore. Il est pas vilain. Attends, mais c'est quoi l'idée là? Un tatouage. Est-ce que vous avez faim? Non. L'endroit de votre choix. Pas demain, tout de suite. Quelle taille? Taille que vous voulez, endroit que vous voulez. La tatoueuse est derrière ce rideau. Salut. Et on l'applaudit. Bonjour. Cindy, qui vient d'ouvrir son salon de tatouage, qui s'intitule La Ligne Noire, très joli nom, se propose de vous faire un petit tatouage. Une petite licorne comme ça. On a supposé qu'il y aurait peut-être cette histoire. Et j'y ai pensé hors tournage, parce qu'en fait cet été j'ai envie de partir en voyage. J'étais en Islande avec une pote et bref. J'estime le budget du voyage, pour un bon voyage avec tout frais compris, à 2500 euros. Ah, okay. Je vois où tu veux en venir. Pour 2500 euros, je le fais. Okay. Moi, je le fais pour 40 000 euros.
Ok, ne touchez pas à mon corps. C'est quoi le plus petit que tu puisses faire? 3 cm. Non, mais les gars, moi, je suis désolé. Hein. On va toucher descendre à 500 euros. Bah ouais, toi, tu. C'était balles. Sûr. On s'est dit, c'est le moustachu qui prendra ça. Il va se faire tatouer une licorne? Je sais pas. Je sais pas. Ah, mais moi, je descendrai pas en dessous de 500, frère. C'est vrai. Mais on parle d'un tatouage, mec. Installe-toi. Oh, mais qu'est-ce qu'il va choisir comme endroit? Oh là là, par contre, là. Ah putain, j'ai pas eu tout le temps. Ah, c'est là, tu vois, ça y est, je suis dans le fait, l'accompli. C'est maintenant. On va le faire où? Est-ce qu'on va le faire? Tiens. Mais non, mais mec, c'est un souvenir de notre aventure. Mais vraiment, des souvenirs de notre aventure, il y en a un qui sort par semaine. Hein. C'est le dimanche en général, c'est une vidéo, c'est souvent une vidéo ludique, c'est sympa. C'est vrai. Je vais me faire sur le ici là. Ça fait mal là, non? Je sais pas où est-ce que ça fait mal. C'est assez fin ouais, comme peau. Hein. Ouais, 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 ça pique un peu après, on peut pas. Ouais. Bah, moi j'ai jamais vu qu'un tatouage se faire, donc déjà ma curiosité est complètement attisée. Allez, allons-y. Non, franchement, ça va. Hein. C'est le moment d'indiquer que Cindy travaille en réalité au rayon charcuterie chez Leclerc. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Cindy est en stage de 3e. Voilà, c'est ce moment-là où je me fais taper une licorne presque sur le cul. À ça pique, là. Messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me confirmer que c'est moi qui ai gagné plus d'argent que... Les cagnottes s'affichent à l'écran. En plus de ça, mais il s'est fait des couilles en or, le salaud. Ah, ça chauffe, ça rase. Je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo. Avec plaisir. Fais attention, t'as laissé ta langue. Restez en feu, là. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Révolut, vous êtes des amours. Merci d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était pour combien? Si vous avez aimé ce concept, manifestez-vous. Aïe.